Ça faisait longtemps. Bienvenue à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour la suite tournoi des meilleurs acteurs. Je vous rappelle que il y a maintenant, je crois, 2-3 semaines, j'avais 64 acteurs. Voilà, parce que j'arrivais pas à me décider. Du coup, j'ai fait un tournoi de ces 64 acteurs. Vous avez vu, si vous n'avez pas vu la vidéo, bah, tous ceux qui sont là, bah, ont gagné le round précédent. Et maintenant, du coup, on va décider, enfin, je vais décider lequel. Enfin, on va décider mon acteur préféré. Donc c'est parti. On commence avec Al Pacino contre Robert De Niro. C'est déjà un putain de duel. Vraiment, ça commence déjà en bordel total. Puisque Al Pacino et Robert De Niro ont joué beaucoup de fois ensemble. Vraiment, les deux ont souvent des rôles de gangsters. Récemment, on les a vus dans The Irishman. Mais Al Pacino, lui, est beaucoup plus connu pour Scarface. Tandis que De Niro, lui, il y a Le Parrain, il y a Taxi Driver, récemment Joker. Donc j'avoue que entre les deux, j'ai beaucoup de mal à décider. Mais ça va être Robert De Niro. Ça va être Robert De Niro parce que en comparant Scarface et Taxi Driver, où c'est les deux seuls films que j'ai en tête où les deux ont eu un rôle principal. Même si Al Pacino était incroyable sur toute la séquence de fin, où c'était une pure régalade niveau 100, Robert De Niro sur Taxi Driver, bordel de merde, il était vraiment impressionnant. Tout le film. Donc c'est De Niro qui passe. Ensuite, nous avons Leonardo DiCaprio face à Morgan Freeman. I mean, I learned my lesson. I can honestly say that I'm a changed man. Et je suis désolé, mais c'est Leonardo DiCaprio qui va passer. Parce que presque tous ses rôles sont, je trouve, iconiques. Entre Jack de Titanic, qu'il a vraiment révélé au grand public, je pense. Son rôle dans Le Loup de Wall Street, incroyablement fun et décomplexé, ou encore son premier rôle dans The Revenant, mon Dieu, je trouve que c'est. Je pense que c'est son meilleur rôle. Non, je pense que son meilleur rôle pour moi, c'est Django Unchained, quand il joue l'esclavagiste. Mais voilà, DiCaprio, je trouve, est tout simplement incroyable. Du coup, c'est lui que je vais choisir. Même si Morgan Freeman est vraiment excellent. Sauf que DiCaprio a un avantage certain, c'est qu'il a eu des premiers rôles. Malheureusement, ça se joue principalement sur ça, je pense. Ensuite, nous avons, je pense, un des duels qui va me faire le plus mal, Joaquin Phoenix. No. Do you find interest in other people? Not really. Do you find it easy to be fair? Yes. Contre Tom Hanks. Wilson! Wilson! Alors, Joaquin Phoenix, c'est une révélation. Je crois l'avoir dit dans la dernière vidéo, mais quand il l'avait annoncé pour Joker, j'ai regardé Her, j'ai re-regardé Gladiator. C'est incroyable, il était incroyable. Là sur Disney+, avec Star qui arrive le 23 février, on dirait que je suis une pub. Bah avec le truc Star, il y a Walk the Line qui va être sur Disney+, et je crois que c'est un truc sur Elvis Presley avec Joaquin Phoenix. Du coup, j'ai très hâte de le voir. Mais Joaquin Phoenix, toutes ses prestations avant Joker, je l'ai trouvé déjà incroyable. J'étais en mode, il va être un excellent Joker. Et il a été radieux. Il a été radieux. Je pense que je préfère quand même le Joker de Heath Ledger parce que. Parce que bah, le Joker de Heath Ledger est Joker depuis le début. Là où il est vraiment, entre guillemets, le Joker aux dernières 20 minutes du film. Mais voilà, Joaquin Phoenix, c'est un acteur tout simplement incroyable. Et qui a pas fini de nous en mettre plein la gueule. Et Tom Hanks,
Bah, comment dire? Entre le rôle du capitaine Miller dans Il faut sauver le soldat Ryan, son rôle de détective dans. Comment ça s'appelle déjà? Catch me if you can. Attrape-moi si tu peux. Bon, je crois que c'est traduit comme ça en français. Et surtout, surtout, Forrest Gump. Forrest fucking Gump. Je pense que c'est une des prestations qui m'a le plus touché de tout le cinéma, non, tout film confondu. Du coup, c'est Tom Hanks qui passe. Ouais. Je le dis, c'est Tom Hanks qui gagne le duel. Parce que Tom Hanks est un acteur qui est là depuis trop longtemps, depuis beaucoup trop longtemps. Il a l'avantage de la carrière et tout. Là où Joaquin Phoenix, je pense qu'il est vraiment au début, même s'il est quand même assez âgé, mais je trouve qu'il n'a pas encore eu. Il a eu Joker qui l'a vraiment révélé au grand public, on va dire. Donc maintenant, faut voir ce qui va se passer. Mais c'est Tom Hanks qui gagne. Ensuite, nous avons Adam Driver. Contre Christopher Waltz. Aïe, aïe, aïe. Parce que Adam Driver, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est un acteur qui est extrêmement polyvalent. Depuis Star Wars, je n'arrête pas de le voir et c'est trop bien. Il va avoir deux rôles dans les prochains films de Ridley Scott que j'attends beaucoup. Et voilà, c'est un acteur tout simplement formidable. Et Christopher Waltz a joué dans Inglourious Basterds. Je pense que c'est le meilleur méchant de Tarantino. Il n'y en a pas beaucoup des méchants de Tarantino, mais quand il en écrit, putain, ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd. Mais pour moi, Adam Driver m'a beaucoup marqué en très peu de temps. Donc, c'est lui qui passe. Ensuite, nous avons Benedict Cumberbatch. Major? Yes, sir. Stand them down. Face à Brian Cranston. I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? No. I am the one who knocks. Pour moi, il n'y a pas photo. C'est Brian Cranston qui passe. Parce que j'adore Benedict Cumberbatch, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est du Doctor Strange, c'est du Sherlock, c'est du Smaug. Mais Bryan Cranston, entre Malcolm, Godzilla et surtout Breaking Bad, genre, ça a des avantages de jouer dans des séries. Même si Benedict Cumberbatch aussi, mais je trouve pas ça. Enfin, j'adore sa prestation, mais je la trouve pas aussi marquante qu'un Bryan Cranston. Dans Breaking Bad, surtout quand tu le connais depuis Malcolm, quoi. C'est. Ce gars-là est un génie. Donc c'est Cranston qui passe. Ensuite, nous avons Hugh Jackman. And every day, she's wondering why I'm not there to fucking rescue her. Do you understand that? Me, not you, not you, but me! Contre Louis de Funès. Bon, alors je vais commencer. Alors pour l'inspiration, musique. Aïe 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 aïe. J'adore les deux acteurs, mais très honnêtement, c'est Hugh Jackman qui passe. Parce que même si Louis de Funès a une carrière tout simplement incroyable, Logan, ça, la performance de Hugh Jackman dans Logan m'a foutu une claque incroyable. Logan, pour moi, c'est le film qui se rapproche le plus d'une adaptation de The Last of Us. Ça, c'est très clairement inspiré de The Last of Us par certains aspects. Et Hugh Jackman faisait un très bon Joel. Mais il a fait. C'est un putain d'acteur, putain. Louis de Funès aussi, hein, mais pour moi, Hugh Jackman m'a beaucoup plus marqué. Donc c'est Jackman qui passe. Ensuite, nous avons
Jake Gyllenhaal. Contre Ryan Gosling. Alors, les deux ont eu des premiers rôles assez sombres. Les deux ont été des personnages secondaires incroyables. Les deux se ressemblent en pas mal de points, j'ai l'impression, mais je sais pas trop qui choisir. Parce que Gyllenhaal, je trouve qu'il faisait un putain de Mysterio. Il était incroyable en Mysterio. Et ce rôle d'un Nightcrawler est... Wouah! Incroyable. Mais Gosling, chaque fois que je le voyais, il me foutait une claque. Donc c'est Gosling qui passe. Ouais. Ensuite, nous avons... Cillian Murphy. So fucking close. So fucking close. Contre Heath Ledger. Why don't you just let me be, huh? Because of you, Jack, that I'm like this. Nothing. I'm nowhere. Oh. Get the fuck off me! Aïe, 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 aïe. Bah pour moi, c'est Sledger qui passe. Voilà. J'adore Cillian Murphy. Mais c'est Heath Ledger qui passe. Voilà. Parce que quand je pense à Heath Ledger, je pense à la scène de l'interrogatoire dans Batman. Dans The Dark Knight plutôt. Et. Cette scène, je me la regarde très souvent. Juste comme ça. Parce que j'ai envie de voir des bons acteurs. Donc voilà. C'est Heath Ledger qui passe. Ensuite, nous avons Tom Cruise. Just take those old records off the shelf. Contre Matthew McConaughey. Cooper, there's no point using her fuel to analyze chase... the endurance to spin. Cooper, what are you doing? Docking. Franchement, c'est McConaughey qui passe. C'est McConaughey qui passe parce que même si j'aime beaucoup que Tom Cruise, je trouve que c'est, il se distingue plus par ses cascades que par son jeu d'acteur, je trouve. Alors que McConaughey il m'en a transmis des émotions dans Interstellar. J'ai que Interstellar en référence pour McConaughey, mais il m'a tellement charmé que je ne peux faire passer que lui. Ensuite, nous avons Sean Connery. Haggis? What is haggis? Sheep's stomach stuffed with meat and barley. And what do you do with it? Contre Mads Mikkelsen. Just do it. Bon, on va aller vite. C'est Sean Connery qui passe. Parce que bah, ce gars-là est légendaire. Tu peux pas. Mads Mikkelsen ne peut pas s'asseoir à la même table que Sean Connery et dire hey. Je suis un des meilleurs méchants de James Bond. Sean Connery, lui, il te répond juste. Bah, je suis le premier James Bond. Donc voilà, tu peux aller te rhabiller. Voilà un peu mon interprétation de la situation. Donc c'est Connery qui passe. Ensuite, nous avons Ralph Fiennes. Contre Adrien Brody. Is that next to me? It's a little fucking juggling clown. No, man, you know what I fucking been through!
You don't know what I've been through. You don't know. Et c'est Ralph Fiennes qui passe. Voilà, on va pas aller trop loin, parce que Adrien Brody était excellent dans Le Pianiste et en méchant de Peaky Blinders. Mais Ralph Fiennes, putain de merde, c'était Voldemort quand même. C'était pas n'importe qui, c'était Voldemort. Et aussi, bah, son rôle dans Les listes de Schindler est putain de froid, quoi. Le gars se prend pour un dieu et tout, c'est... Oh, il joue le connard à la perfection, ce gars-là. Vraiment, je... Bravo. Bien joué. Donc, c'est Fiennes qui passe. Ensuite, nous avons Ian McKellen. You shall not pass! Contre Chaplin. J'adore Ian McKellen. J'adore aussi Chaplin. Mais j'adore Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Donc, c'est Ian McKellen qui va passer. Oui, Ian McKellen, je le trouve meilleur que Charlie Chaplin. Voilà, je l'ai dit. Maintenant, si vous voulez me cracher dessus, eh ben vous pourrez pas parce qu'on est confiné. On n'est pas encore confiné, mais ça va venir. Et surtout, que c'est pas très geste barrière. Donc, vous pourrez rien faire, en fait. Donc, j'en ai rien à foutre. C'est McKellen qui passe. Ensuite, nous avons Robert Pattinson. I have not come to offer you surrender, if that is what you are hoping. I have come to describe for you your end days. Contre Chadwick Boseman. In my culture, death. It's not the end. Bah, c'est Pattinson qui l'emporte. Rest in peace, Chadwick Boseman. Mais Robert Pattinson m'a pas mal bluffé ces dernières années entre Ténèbres, Good Time, The Lighthouse, The Lighthouse. Alors que Chadwick Boseman, bah, à part Black Panther, enfin quand il jouait Black Panther, quoi. J'ai pas vu d'autres de ses films. Et je trouve pas que... Enfin, je trouve que c'est un excellent acteur, mais je trouve que comparé à un Robert Pattinson qui se donne à fond depuis ces dernières années et qui, juste à la bande-annonce de The Batman, a l'air déjà d'envoyer du gros pâté, pour moi, c'est Pattinson qui passe. Ensuite, nous avons Javier Bardem. 1958. It's been traveling 22 years to get here. And now it's here, and it's either heads or tails. Contre Jim Carrey. Mommy. Alors là, c'est un duel peu compliqué parce que les deux jouent souvent un même thème. Javier Bardem, c'est plus la peur. Et Carré, c'est plus le rire. Je pense qu'on l'a remarqué. Et... Les deux sont, je pense, les meilleurs dans leur genre. Le truc, c'est que, bah, comme ils sont pas du tout dans le même genre, c'est compliqué de les juger, en fait, de les comparer. Mais j'adore Javier Bardem, putain, mais... Mais c'est Jim Carrey. C'est Jim Carrey qui passe parce que c'est Jim Carrey, putain. Je pense pas qu'il y ait un acteur qui m'ait fait plus rire que Jim Carrey. Donc, c'est Jim Carrey qui passe. Voilà. Ensuite, nous avons Alan Rickman. Let them fumble about outside and stay calm. This is simply the beginning. Contre Robin Williams. Interesting nights for when he wore his rings. C'est Williams qui passe. Rest in peace à toi aussi, Alan Rickman, mais c'est Robin Williams qui passe parce que, putain de merde, cet homme est... Mais Robin Williams est beaucoup trop gentil, c'est un homme que j'ai envie de le côtoyer. Et il est mort lui aussi, il a fait affronter deux acteurs morts là. J'adore ces deux acteurs, mais c'est Robin Williams qui passe, voilà.
Ensuite, nous avons Harrison Ford. Yes, I bet you have. Parbleu! Contre Mark Hamill. Every word of what you just said was wrong. Bon, on va poser le stylo, on va pas réfléchir très longtemps, il faut que je dise un acteur, dans 3 secondes je dis un acteur, 3, 2, 1, Harrison Ford. Ouais, allez, Harrison Ford, on y va, hop, on réfléchit pas à ce que je viens de choisir. Ah, c'est vrai que Mark Hamill est très bon en Joker, mais c'est Harrison Ford, parce que Harrison Ford c'est quand même Indiana Jones, c'est quand même Blade Runner, c'est quand même Han Solo, c'est voilà, on va passer au 8ème de finale. Hein. Allez, c'est parti, 8ème de finale, let's go. Donc nous avons De Niro. You talking to me? You talking to me? Contre DiCaprio. Like that. Et c'est DiCaprio qui passe. Bah ouais, parce que j'adore DiCaprio en fait. Voilà. On développe ou je suis pas une chaîne de cinéma, hein, je suis un peu de mixte, mais c'est surtout du jeu vidéo, donc voilà quoi. Voilà. Tom Hanks. Ou Adam Driver. The resistance is dead. The war is over. And when I kill you, I will have killed the last Jedi. Bah ouais, je suis désolé Adam, mais Tom est, je trouve, meilleur que toi. Oui, je suis désolé, mais j'avoue que je préfère Forrest Gump à Kylo Ren, je l'avoue, j'aime beaucoup Tom Hanks. Voilà, donc c'est Tom Hanks qui passe. Ensuite, nous avons Bryan Cranston. Contre Hugh Jackman. Et c'est Bryan Cranston qui passe, parce que j'aime beaucoup les deux, sauf que Bryan est magnifique quand il est chauve. Ouais, on va dire ça. Allez, c'est Bryan Cranston qui passe. Ryan Gosling. Ou Heath Ledger. Ouais, Ledger. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette mise en scène, mais c'est Ledger qui passe. Parce que Joker, encore une fois, et toujours, hein, pour moi, c'est, je pense, la meilleure prestation de 2000 à 2010. Voilà. Donc, c'est Ledger qui passe, tout simplement. J'adore Gosling, hein, mais je trouve qu'il n'a pas encore eu un rôle aussi fort que Ledger. Alors que Ledger, ce qui est incroyable quand même avec lui, c'est que c'est un personnage secondaire, le Joker. Hein. C'est pas le personnage principal. Et le gars, quand on pense à The Dark Knight, on pense au Joker de Heath Ledger. On pense pas à Batman. Et ça, il y a très peu de films. Il y a très peu d'acteurs qui arrivent à te faire oublier le personnage principal. Donc c'est Ledger qui passe. Matthew McConaughey. Contre Sean Connery. Crude and slow, Clansman. Your attack was no better than that of a clumsy child. Même si Sean Connery est une légende, pour moi c'est McGonaghy qui doit passer, parce que il faut que je voie d'autres films de sa filmographie, mais en un seul film, il m'a procuré autant d'émotions que Sean Connery avec tout ce que j'ai vu. Du coup, c'est McGonaghy qui passe. Ensuite, nous avons Ralph Fiennes. Very good. Very good. Come. Contre Ian McKellen. Oh.
Gandalf ou Voldemort? C'est compliqué quand même, hein. Pour moi, ça va être... Je sens que je vais faire au pif parce que je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Après, je sais que... C'est Ian McKellen qui passe. Allez, on a le fini, on y va, let's go. On n'y pense plus, c'est Ian McKellen qui passe. Je ne veux pas débattre parce que sinon je vais revenir sur ma décision et je ne veux pas. On passe au duel suivant. Robert Pattinson. Contre Jim Carrey. Et pour moi, il n'y a pas de débat, c'est Jim Carrey. Parce que comme je vous l'ai dit, j'adore Robert Pattinson et je sens qu'il va tout exploser dans The Batman. Mais Jim Carrey a déjà fait ses preuves. Voilà. Et Robin Williams. I fell into a deep, peaceful sleep and haven't thought about you since. You know what occurred to me? No. You're just a kid. Contre Harrison Ford. Et c'est Harrison Ford qui passe parce que avoir trois rôles cultes, je crois pas qu'un seul acteur puisse faire ça. Voilà. Donc c'est Harrison Ford qui passe. Voilà. Donc nous arrivons au quart de finale. On va se dépêcher parce que j'ai pas envie que la vidéo elle dure 20 000 ans. Donc on y va. DiCaprio. Puts $50,000 in my lap! Or I'll eat this little pitcher down a well! You got that, Boston? Huh? Contre Tom Hanks. It's my boat. Bah, c'est Tom Hanks qui passe. Parce qu'encore une fois, Forrest Gump. Mais si vous voulez d'autres exemples de sa performance, de ses performances incroyables, il y a eu très récemment La Mission sur Netflix, qui est génial. Il a joué aussi dans Captain Phillips, où il était incroyable, et Seul au Monde aussi. Oh là là. Oh là là. Lui et Robert Zemeckis, ils font un travail, mais oh là là. Mais j'adore DiCaprio, on n'oublie pas ça. Mais je préfère Tom Hanks. Ensuite, nous avons Bryan Cranston. Al, sois raisonnable. Arrête les frais et téléphone enfin au réparateur. Je refuse de gaspiller de l'argent alors que je suis tout à fait capable. Contre Heath Ledger. Oh. Ah. Ah. Never start with the head. The victim gets all fuzzy. He can't feel the neck. See? Et là, je vais avoir du mal à dire Heath Ledger parce que c'est Cranston qui passe. Vraiment, genre, Cranston, pour moi, c'est un des meilleurs acteurs comiques avec Jim Carrey, même si je trouve que Jim Carrey le dépasse. C'est dommage qu'ils se raffronteront jamais. Parce que, ah, peut-être, oui, si je suis passé en finale, les deux, ouais, c'est vrai. On verra. Hein. Mais je trouve que Bryan Cranston m'a fait énormément rire dans Malcolm et énormément... fait peur dans Breaking Bad. Donc c'est lui qui passe. Parce que Ledger, même si sa prestation a été légendaire dans The Dark Knight, je ne le connais que pour deux rôles, à savoir le Joker et un des deux cowboys dans Brokeback Mountain. Ensuite nous avons Matthew McConaughey. Six. Five. Main engine start. Four. Contre Ian McKellen. Gotta press your luck, Charles. I don't think I can stop them all. Et là, c'est Ian McKellen qui passe. Parce que là aussi, comme Miss Ledger, j'aime beaucoup l'acteur. Il a été légendaire dans le seul rôle que j'ai vu. Mais Ian McKellen a été légendaire dans tous les rôles que j'ai vus, et j'ai vu dans plus de films, donc c'est McKellen qui passe.
Et nous avons pour finir Jim Carrey. Contre Harrison Ford. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Bah ça va être Jim Carrey. Non, Harrison Ford. Non, Jim. Harrison Ford. C'est Harrison Ford qui passe. Parce que je sais pas pourquoi, je me suis rappelé la scène quand Han Solo se fait poursuivre par plein de Stormtroopers. Donc c'est Harrison Ford qui passe. Nous arrivons en demi-finale, on va se presser parce que je dois. J'ai d'autres choses à faire. Oui, je fais un tournage à l'arrache. Oui, et alors, tu veux te battre? Vas-y, je t'attends, moi. Tom Hanks. Somebody turned off the rain and the sun come out. Contre Bryan Cranston. Je voudrais qu'on ait l'âge de conduire, comme ça on s'ennuierait plus. Je voudrais être indépendant pour me faire plein de fric et m'éclater. Je voudrais devenir un petit oiseau. Et c'est Tom Hanks qui va passer. Parce que j'aime Tom Hanks. Vraiment, j'adore cet acteur. Et aucun acteur m'a fait plus pleurer que Tom Hanks. Et en face, nous avons Ian McKellen. Fly, you fools! Contre Harrison Ford. I love you. I know. Et c'est Harrison Ford qui passe. Harrison Ford, je pensais pas qu'il irait aussi loin, putain. Mais vraiment, j'adore Harrison Ford. J'ai revu les Indiana Jones il y a pas longtemps et bon Dieu, je suis vraiment retombé amoureux d'Harrison Ford. Donc nous avons notre finale. Tom Hanks. I ran so far and so fast that pretty soon I was all by myself, which was a bad thing. Bubba. Bubba was my best good friend. I had to make sure he was okay. Contre Harrison Ford. C'est Tom Hanks qui gagne. Tom Hanks est mon acteur préféré. Et je pense que c'est le seul tournoi où je m'y attendais que ce soit mon acteur préféré. Parce que vraiment, regardez les films de Tom Hanks. Tout ce que, si je peux dire un mot pour terminer cette vidéo, c'est regarder tous les films de Tom Hanks. Même regarder tous les films des acteurs que j'ai cités. Ils sont tous incroyables. Donc, vive Tom Hanks, vive les acteurs, vive le cinéma, vive la vie. Au revoir.